Actuellement, il y a quelques jours a été rendu public le rapport de la commission mobilité, appelé souvent rapport Durand, effectivement, qui était chargé de hiérarchiser tous les projets d'infrastructures de transport qui avaient été mis au schéma national sous le gouvernement précédent. Et ce que nous retenons qui est particulièrement important de la part de cette commission, c'est qu'elle souligne l'importance de la rénovation des voies existantes et des transports du quotidien et l'importance d'améliorer le service, d'améliorer ce service. C'est aussi la réponse que nous avons eue des services de François Hollande. Nous avons écrit à François Hollande, nous lui avons écrit au mois de mars, suite à sa venue en Aquitaine, où, paraît-il, il avait dit que la LGV se ferait parce que ça devait se faire. Nous lui avons écrit notre indignation de vouloir dire que ce projet devait se faire. Et nous avons longuement argumenté. Nous avons reçu une réponse des services de François Hollande. Non, parce que... Oui, ça fait... Nous avons reçu une réponse des services de François Hollande. Et cette réponse dit notamment que la commission qui a été nommée, elle a pour charge là, de mettre en place la rénovation des lignes existantes, les transports du quotidien. Et vous n'entendez pas ? Moi, je vais... Ça, c'était mieux au haut de l'arbre.